microcosme extraordinaire dans des bouts de paille. Je suis en haut de la montagne, toute seule, dans le brouillard. Ça fait un bien fou, j'ai passé une nuit un peu difficile. Encore une attaque. C'est pas grave, j'ai transcendé. Ah bah maintenant tout de suite, j'ai dit ça, hein. Sur le coup, je rigolais pas. Je me suis levée 3h du mat pour aller à l'hôpital. Sentant ce qui était en train de m'arriver. Et puis finalement, voilà. Je suis allée me coucher. Après avoir été un peu rassurée par un médecin, SOS médecin. Donc voilà, c'est les aléas de ce que je vis. Peut-être partir à la retraite plus tôt. Du coup là je suis là où je devais être en fait. Hein. Si ça m'est arrivé hier, c'est pas le fruit du hasard aussi. Donc il y a une de mes vidéos que j'ai faite hier qui a mis quelqu'un en réaction. Je sais qui exactement. Sur le coup, je ne savais pas. Puis voilà. Et du coup, j'ai reçu des projections relativement denses, qui auraient un impact très dense sur mon corps. Mais là, tout va beaucoup mieux, donc j'ai réussi à transcender. Bon, et puis finalement, je suis quand même allée là où je devais aller aujourd'hui pour faire ce que j'avais à faire. Ouf, quel drôle de métier. Vivre. Être au service de l'harmonie. L'harmonie dans mon quotidien. That's life. Mais là, c'est un pur bonheur où je suis. Fou. Et puis ces petites gouttelettes là dans la paille. Pff. Juste pour ça, ça valait le déplacement. Et puis personne et pas un bruit. Tranquille, l'énergie est super belle, super apaisante. J'ai moins mal dans mon corps. C'est plus léger ici. Donc ça permet de me fluidifier. Et puis voilà, puis j'en veux à personne, c'est comme ça. C'est le deal de cette planète. That's life. Allez, bisous.